Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Je voudrais juste vous rappeler que l'édition d'aujourd'hui ainsi que les 5 éditions suivantes seront consacrées au mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons introduire ce que nous devons faire pour nous préparer à ce mois saint. Et puis la dernière et la 6e édition sera consacrée à la préparation de la fête du Petit Bayram après avoir jeûné, je l'espère, tout le mois saint. Pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Sami Mandour, professeur à l'université de l'Azhar. Nous sommes très ravis de vous avoir avec Merci. Nous. Merci, moi aussi. Alors, Dr Sami, nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Alors, on voudrait définir tout d'abord le mois de Ramadan. Pourquoi est-ce que c'est un mois qui est vraiment très très spécial pour les musulmans? Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quelques jours plus tard, on va commencer le mois de Ramadan. Et donc, le mois de Ramadan, pour tous les musulmans, c'est un mois particulier, un mois spécial, parce que c'est un mois où les musulmans doivent se préparer pour essayer d'atteindre la proximité du Seigneur. Donc, l'objectif final de tous les musulmans, c'est la finalité, comme je pourrais le dire, c'est d'atteindre la proximité du Seigneur. Mais la question qu'un musulman doit se poser avant le début de ce mois dans lequel on va essayer d'atteindre la proximité du Seigneur, mais comment atteindre cette proximité? Donc, tout d'abord, nous devons prendre en considération l'importance, les particularités de ce mois de Ramadan. Avant tout, on va essayer de mentionner les particularités qui se trouvent même dans le Coran. Mmh. Et ensuite, on va essayer de voir quelles sont les autres particularités qu'on peut trouver dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le Coran, vous avez « Shahru Ramadan ». Donc là, parmi tous les mois, on ne trouve presque que le mois de Ramadan qui est déjà mentionné dans le Coran. Vous avez 12 mois de l'année de calendrier de musulmans, de l'Hégire. On n'a que, si on a commencé à lire le Coran, je pense qu'on ne trouve que le mois de Ramadan qui est mentionné clairement, Shahru Ramadan, puisque Allah a déjà énuméré les mois en 12. On a donc nous avons déjà 12 mois qu'Allah a déjà établi pour tous les humains. Parmi ces mois, on trouve un seul mois mentionné dans le Coran qui est Shahr Ramadan. Et le verset dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc parmi les particularités les plus importantes et les plus spécifiques de ce mois, c'est que dans ce mois, le Coran a été révélé. Et quand on dit le Coran a été révélé, on dit, c'est pour nous, le Coran c'est quoi? Pour nous, c'est la source principale de l'islam. Nous avons déjà, à savoir que nous avons déjà deux sources principales. On a le Coran et la Sunna. Et sans les deux sources, on n'a pas l'islam. Donc, pour connaître l'islam, on doit avoir le Coran et la Sunna. Donc, dans ce mois, le Coran commence à être révélé au prophète. Et dans un autre point de vue, le Coran, vous savez, on doit quand même donner une certaine information aux téléspectateurs, à savoir qu'on a deux révélations de Coran. Une révélation totale, c'est-à-dire le Coran a été révélé en tout, une fois pour toutes, et ensuite on a une autre révélation fragmentaire. C'est-à-dire le Coran a été révélé fragmentairement, au fur et à mesure, d'après les circonstances, comme on dit, asbab al-nuzul,
durant 23 ans. Donc nous avons deux révélations. La première révélation, le Coran a été révélé une fois pour toutes, c'était au mois de Ramadan aussi, c'est-à-dire dans la nuit d'Al-Qadr, comme le Coran le dit, « Inna enzalnahu fi laylatil qadr ». Donc nous avons deux explications, soit on a commencé à révéler le Coran à laylatil qadr, ou bien on a révélé le Coran toute une fois à laylatil qadr. Laylatil qadr, c'est la nuit du destin. C'est la nuit du destin, mm-hmm. C'est-à-dire à partir d'Allah qui a révélé le Coran, à partir de là, c'est-à-dire dans la maison de la grande puissance, comme on dit, Bayt al-Izz. Mm-hmm. Et là, jusqu'au dernier ciel, c'est-à-dire jusqu'au premier ciel, comme on dit. C'est-à-dire le ciel qui est plus proche de la terre. Donc là, c'est la première révélation du Coran. Et ensuite, le Coran a été révélé fragmentairement selon les circonstances. L'ange Gabriel descend au fur et à mesure au prophète pour lui révéler certains versets du Coran durant les 23 ans de la révélation du Coran. Nous avons déjà 13 ans à la Mecque et nous avons 10 ans à Médine. Donc ça fait 23 ans. Donc, là, le Coran a été révélé soit en tout, soit fragmentairement dans le mois de Ramadan. Donc ça nous donne un certain sens que les musulmans doivent aussi donner plus d'importance non seulement au mois de Ramadan, mais aussi au Coran. Mm-hmm. Et aussi les musulmans doivent donner plus d'importance, doivent accorder plus d'importance au Coran dans le mois de Ramadan. Dans tous les mois de l'année, mais quand même en particulier dans le mois de Ramadan, puisque c'est le mois du Coran. Donc, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ». Donc là, c'est la première particularité la plus importante. Une deuxième particularité, c'est le jeûne. C'est-à-dire, c'est dans ce mois qu'on commence à jeûner. À jeûner le mois de Ramadan, c'est un jeûne prescrit, est une obligation. C'est l'un des piliers de l'islam. C'est le quatrième pilier de l'islam. Le prophète lui dit clairement dans un hadith, « Bouni al-islamu ala khams ». L'islam est basé sur cinq piliers. Premièrement, l'attestation de foi, à témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Et deuxième, iqam al-salat, l'accomplissement de la prière, la salat. Troisième, ita al-zakat, c'est verser la zakat. Quatrième, observer le jeûne du mois de Ramadan. Et cinquième, bien sûr, accomplir le grand pèlerinage, al-hajj, vers la mosquée sacrée, la maison sacrée de la Kaaba. Ceux qui ont les moyens. Bien sûr, c'est comme le moyen, parce que le Coran le dit, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, c'est-à-dire pour ceux qui en possèdent les moyens, ou les moyens lui permettant d'aller vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Donc là, ce sont les deux particularités les plus importantes au mois de Ramadan. Hadith, le prophète dit, c'est le mois de la patience. Et de la rétribution. Et de la rétribution, bien sûr, puisque on apprend à être patient dans ce mois. C'est-à-dire, quand on va parler des bienfaits des jeûnes, on doit essayer de voir ça tout en détail. Quand même, c'est le mois quand on dit patience, on dit la moitié de la foi. Et quand on dit le mois de Ramadan, c'est dans ce mois qu'on fait la moitié de la foi. Puisque as-sabr, la foi est divisée en moitié. As-sabr d'un côté et as-shukr d'autre côté. Mm-hmm. C'est-à-dire, si vous habituez à être patient, donc vous possédez maintenant la moitié de la foi. Et si vous reconnaissez toujours les bienfaits d'Allah en disant Alhamdulillah, en vouant la reconnaissance. Gratitude. Oui, la gratitude vers Allah. Donc dans ce cas-là, vous avez la deuxième moitié. Donc, as-sabr et as-shukr, la patience et la reconnaissance, la gratitude envers Allah. En plus, vous avez quand même, c'est dans ce mois qu'il y a toujours la victoire des musulmans, la grande victoire des musulmans. Nous parlons, par exemple, de la bataille de Badr. Badr, dans le Coran, on l'appelle comment? On l'appelle Yawm al-Furqan, c'est-à-dire le jour de discernement, le jour de la séparation. Séparation entre deux camps, le camp des croyants, le camp des musulmans, et le camp des incroyants, des Mécois, qui ont déjà attaqué les musulmans et qui veulent agresser les Médines pour
achever pour détruire, pour finir avec les musulmans. Et c'est dans ce jour-là qu'on a commencé à avoir une certaine identité, une certaine entité, une certaine indépendance, une certaine puissance, une certaine force, puisque maintenant, il y a les musulmans qui sont sur la terre et qui ont déjà de la puissance. Donc là, c'est un jour très important aussi. Il y a d'autres quand même, d'autres batailles dont on va parler plus tard, bien sûr. Donc, vous avez ça, donc le mois de la patience, le mois de jeûne, le mois des victoires. Et donc, c'est le mois de rétribution, puisque le jeûne, c'est quoi? Allah le dit dans un hadith qudsi. Et pour informer les téléspectateurs, les chers téléspectateurs, quand on dit hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith rapporté par le prophète d'après Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est comme le Coran, mais c'est rapporté par le prophète, c'est pas transmis. Le prophète a transmis le sens par ses propos. Mm-hmm. Mais ça fait pas partie du Coran, puisque le Coran, c'est autre chose. Le Coran, c'est la parole d'Allah révélée par l'archange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. Et on peut le lire dans la salat. Mais le hadith Qudsi, c'est le sens divin mais rapporté par le propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit le hadith Qudsi. Donc dans un hadith Qudsi très important, Allah dit « As-sawmouli » ou « An-ajizibé » parce que vous avez dit « rétribution ». Donc à qui la rétribution? Qui va rétribuer les jeûneurs? C'est Allah. « As-sawmouli » ou « An-ajizibé » Donc on va parler plus tard bien sûr de ça, de bienfaits de jeûne, mais en parlant aussi des particularités du mois de Ramadan, on dit, moi je le dis, c'est le mois de changement. Mm-hmm. C'est le mois de changement. Ça veut dire quoi le mois de changement? Nous avons l'année se compose de 12 mois. Et durant 11 mois, on se lance dans la vie et peut-être on peut faire des péchés, de petits péchés ou bien de grands, des péchés capitaux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des occasions pour expier nos péchés, quel que ce soit petit ou grand. Et donc parmi ces moyens et parmi ces occasions, c'est le mois de Ramadan. Et le prophète le dit dans un hadith. والصيام ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما الصلاة إلى الصلاة. Donc vous avez plusieurs moyens, plusieurs occasions pour expier. Donc vous avez le mois de mois de Ramadan jusqu'au mois suivant de Ramadan. Là vous avez fait des bichets, de petits bichets, mais quand vient le mois suivant de Ramadan, soyez sûr si vous avez bien fait le jeûne avec l'intention d'avoir